Thank you again to the high-level panel for this insightful discussion on building collaboration around the regional priorities on innovation, entrepreneurship, and ecosystem development. It was very insightful for me. I learned a lot that I didn't know yet. And the following session is now the second stop on our regional innovation journey in this forum. So we're going from the high level to the regional good practices, accelerating ecosystem development and digital transformation. So as we have heard in the previous session, the three engines driving this transformation are the innovation ecosystem, the entrepreneurial ecosystem, and the technology ecosystem. And to stay in the metaphor of engines, all our panelists for this session are engineers of these ecosystems, working towards guiding innovation dynamics, building capacity, and integrating ICT innovation into national development agendas. I'm looking forward to hearing about good practices they themselves are co-creating, about successes that they think should be amplified, and also about what challenges lie ahead, maybe especially in these times of Corona. Before I introduce the panelists, let me stress how much we all look forward to the questions from the audience. So with Swapcard going and Zoom being transmitted there, we hope to make this session as interactive as possible. And it's one of the key benefits of virtual conferences that we can all be in the same virtual room no matter where we are. So the chat on Swapcard is being moderated by my colleague, Rikicina Shipos. And she will share your questions with me so I can share them with the panelists after our panel discussion in the Q&A. In Zoom, we have one audio stream in English and one in French with a simultaneous translation. And I want to thank the interpreters for that service and also remind all of us to be mindful of potential delays because of this and also of the fact that there's a bit of delay between Zoom and Swapcard. So if we don't answer your question right after you've typed it in, that is because we have a bit of a delay there. And now over to our panelists. I was asked to keep the introductions very short. Apologies to the panelists. I'm leaving out a lot of all of your impressive profiles, but I invite all the people watching to refer to the speaker profiles on Swapcard. There's much more information and you can network directly with the panelists. So first of all, we have Dr. Eric Ndumba here, who serves as the telecommunications advisor to the Minister of Post Telecommunications and Digital Economy of the Republic of Congo, whom we heard in the high-level panel earlier. Among many other roles that he fills, Eric is also the focal point for the elaboration of the Consensual Action Plan for the deployment of electronic communications infrastructure in Central Africa and the institutional framework for its implementation. In a very similar realm, Nom Sokana is a nuclear scientist by trade and working as an entrepreneur in the broadband infrastructure sector, aiming to connect the unconnected. She is one of the presidential advisors on the fourth industrial revolution in South Africa and also the deputy chair of the Small Enterprise Development Agency. Also, Nomso is a program director for Town Ghana Africa, a nonprofit that provides high school girls from rural and underexposed sub-Saharan communities with STEAM education. Sheila Birgen is an ecosystem builder from Kenya and also a policy co-creation enthusiast with more than 10 years of experience in entrepreneurship, innovation, and technology. After working for MLab and iHub, she recently started her own company, The Cord, which enables businesses from Africa to innovate, grow, and scale globally. Sheila herself holds an MBA in impact entrepreneurship, and she now teaches the next generation as a guest lecturer at Aga Khan University. And finally, Eva Sow-Ebion is the co-founder of the Innovation for Policy Foundation, supporting hashtag I4Policy, a movement of over 220 innovation communities across 48 African countries. She did lead the Innovation for Policy process in Senegal, a bottom-up approach for the adoption of the Startup Act, and she has stimulated innovative public policy processes in six other countries. She is also the co-founder of Kinaya Ventures, which is an open innovation platform based in Senegal and Côte d'Ivoire.
Thank you all for being here, dear panelists. It's my pleasure to welcome you on this panel. And now, without further ado, I would like us to dive right in. Please tell us more about your work. I was very quick in introducing you to give you as much time and space as possible to tell us more about what you do with your words. Eric, would you like to start? Merci beaucoup, Madame la modératrice, et je voulais profiter d'abord de cette occasion pour vous remercier pour cette initiative. Merci. Vous savez que ce genre de forum, lorsque nous ne l'organisons pas, on a l'impression qu'au niveau régional, quelquefois, les choses ne bougent pas. Right? Mais donc, quand on organise une initiative qu'il faudrait... Il faudrait absolument soutenir. C'est dans ce cadre que je voudrais ici élever ma voix encore. Merci aux organisateurs de que ça nous donnera l'opportunité d'échanger sur des sujets assez brûlants et de rappeler des retours d'expérience, des best practices de la région. Bon, ce que moi je voudrais dire, peut-être être un peu de rédit parce que la locution a presque déjà tout dit de ce que réalisé ici en termes d'innovation au niveau du Congo-Brazzaville. Comme vous le saviez, le Congo récemment a abrité, nous avons organisé ici un atelier régional sur l'innovation et cet atelier est uniquement réservé aux pays francophones. Donc nous avons eu cet honneur durant cet atelier d'accueillir les participants venus de plusieurs pays et je peux vous rassurer que ça a été une réussite. Parce que les jeunes se sont exprimés sur les points bloquants, ce qui les empêche exactement d'avancer sur la façon de proposer le projet, la façon de concevoir le projet, et même quand le projet est construit, à qui il faut le présenter. Donc ça a été vraiment un cours d'expérience assez délicat pour nous. Cet atelier a été clôturé par un manifeste de Brazzaville qui a été soumis au niveau du gouvernement. En dehors de ce genre d'initiative, vous savez que le Congo a aussi un point d'échange Internet qui était national, qui a été transformé en point d'échange Internet interrégional. Tout ça, c'est pour booster la dynamique de l'innovation. Le ministre venait de dire tout à l'heure dans son allocution également que le Congo va bientôt abriter un centre régional sur l'intelligence artificielle au sein de l'Université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Mais en réalité, ce centre n'est pas un centre réservé uniquement aux étudiants du Congo, c'est un centre qui est réservé à tous les Africains. Hein? Donc, tous les Africains pourront intégrer ce centre d'intelligence artificielle. Mais pour résumer tout ça là, déjà d'entrée de jeu, notre politique au niveau national se repose avant tout sur les infrastructures. Parce que tant qu'il n'y a pas d'infrastructure de communication électronique, évidemment, je ne pense pas qu'on peut être en mesure de développer, d'innover d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons cherché à stabiliser la connectivité Internet au niveau national. En dehors de la connectivité Internet, nous avons mis le cadre juridique et réglementaire en place pour accompagner, évidemment, tous ces innovateurs. Tout à l'heure, vous avez entendu que nous sommes en train de mettre en place un projet de loi sur les startups. Et ce projet de loi, évidemment, c'est pour accompagner ces jeunes innovateurs, pour mettre en place ces jeunes innovateurs, avoir un arsenal juridique qui leur permet d'innover en toute sérénité. Donc, je préfère d'abord m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Merci. No, you did not. Absolutely not. Thank you very, very much, Eric. I would like to hand over the talking stick to Eva, because I think you can connect here, especially with the startup laws. So please, Eva, also you, tell us more about what you do. Merci beaucoup et ravie de pouvoir passer après parce qu'en effet, ça faisait beaucoup de sens au regard des différents points qui ont été mis en valeur. Donc, moi, je suis cofondatrice de la Fondation pour les innovations en termes de réforme de politique publique, I4Policy. On est né d'une réunion des pôles d'innovation africains qui visait vraiment à
se poser la question comment est-ce qu'on peut engager nos communautés dans des réformes de politique publique, d'une part, mais comment aussi est-ce que les innovations ont un rôle à jouer dans le lien avec nos gouvernements et dans leur capacité à faire accélérer différents piliers. Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'abord de mettre en œuvre des mouvements et des coalitions fortes au sein de ces différents écosystèmes qui vise à pouvoir accélérer la co-création. C'est un terme dont on entend beaucoup parler, mais beaucoup de pôles d'innovation et d'acteurs de l'innovation à plus proprement parler ne savent pas comment collaborer ensemble. C'est également à travers ces coalitions de faire en sorte de promouvoir la délibération et l'inclusion en matière de politique publique. Donc notre mouvement va vraiment venir élaborer différents projets de réforme. Au niveau continental, nous avons notamment travaillé avec les différents pôles d'innovation au manifeste panafricain sur les politiques d'innovation. Il faut savoir que ces communautés de partenaires, c'est aujourd'hui, comme ça a été mentionné, 220 partenaires qui couvrent 48 pays sur le continent. Donc, ça nous donne une capacité à pouvoir vraiment créer un pont fort et mettre en œuvre tout le partage d'expériences qu'on va pouvoir d'ailleurs itérer aujourd'hui au sein de ce panel. Le deuxième point, c'est d'accompagner les gouvernements. Donc, nous conseillons nos différents gouvernements, nos ministères. On a travaillé notamment avec près de 17 gouvernements sur le continent pour pouvoir engager ces communautés innovantes et les autres parties prenantes sur ces processus actifs en termes de réforme de politique publique et ainsi faciliter la création entre le secteur privé et le secteur public. Ça a été le cas, par exemple, avec le Startup Act ici au Sénégal, le processus du Startup Act en RDC, mais sur plus de 7 pays sur la zone UEMOA. En Afrique de l'Est, on travaille actuellement avec notamment des communautés dont Sheila, qui est avec nous ici, est présente pour pousser les travaux de réforme autour des Startup Act, mais aussi travailler sur l'élaboration de visions pour l'innovation ou de visions pour l'entrepreneuriat, comme ça a été le cas au Ghana ou au Nigeria. Enfin, on crée des méthodologies. On crée des cadres consultatifs. Ces méthodologies, l'une d'entre elles qui est aujourd'hui celle que nous avons pu mettre en œuvre davantage, c'est ce qu'on appelle Innovation for Policy Process, qui est vraiment un processus itératif de création de politiques publiques, mais aussi des outils open source qui sont à disposition pour les communautés afin d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des innovateurs, mais plus globalement de la société civile pour pouvoir permettre aux utilisateurs des politiques publiques de pouvoir partager leurs besoins, mais les solutions également qu'ils veulent voir émerger. Donc voilà, et au plaisir d'en discuter davantage. Thank you very, very much, Eva. That was great. And already I have so many questions and I'm sure everybody else does too. First of all, let's hear from Sheila. I think you can also connect to what Eva was talking about and also share more about what it is that you do, which is in a similar space, but not only. And so, Sheila, please tell us more. Thank you so much. First of all, thank you for inviting me to be part of this amazing and wonderful panel and obviously part of this event. I feel quite honored. My name is Sheila Birgen. I am from Kenya. I run an organization called The Cord. Our focus is on building ecosystems and communities, not just of entrepreneurs, but also innovators and bringing the policy players into the ecosystem. I think for the longest time, I've worked with entrepreneurs across the continent. We've not always looked at government as a key stakeholder in the ecosystem. We consider everybody else but government. And what I came to know is the importance of policy, I think, over the years, and how ensuring that the right policies are in place, especially with the right stakeholders, is important. And so my work currently is to ensure that when we talk about ecosystems, we talk about complete ecosystems that involve even people we typically or traditionally wouldn't want to engage with. But because they play a key role in these ecosystems, we have to involve them. And so our work is to bring together entrepreneurs and innovators, especially with governments. You know, we engage with corporates, we engage
with non-governmental organizations, with development organizations, but we rarely, rarely engage with government. And so currently, we are working with the Kenyan government through the Senate on the Kenya Startup Bill that will go through two different processes with the National Assembly for money bill and for involvement of county, like decentralized systems of government through the Senate. The work that we do is to actually ensure that entrepreneurs are key stakeholders in creation of these policies. This is something we learned through the IFO policy process that we worked with. I was part of the task force. And it was quite important to ensure that we kind of decentralize the policy making process by involving the people that the policy will actually affect directly. So the consumers and implementers of those or the people that the policies will touch, how can we ensure that they are at the central of this? We also work with innovation hubs. A lot of them are coming up in the continent now. And I was part of the IHUB from the beginning. I learned a lot of things running that. And I currently support a number of innovation hubs that are setting up to ensure that we put the right structures in place from the beginning to support the entrepreneurs the right way. How do we understand, you know, importance of digital economy, data protection, different policies in place that especially young entrepreneurs, when they're starting up, they don't necessarily look at those things. So how do we ensure that from the word go, when you're setting up a business, you just don't understand, you know, business registration processes, but you also understand, for instance, lack of, you know, submitting tax on time, or what are there any incentives, for instance, that government has put in place for you? Ensuring that the next generation of entrepreneurs or young Africans are very, very aware about the business environment, all the way from policy to the users that they work with. So in a nutshell, we build communities within the innovation, technology, and entrepreneurship space in not just policy, but also in operationalizing of the work that they do. I'll be glad to share my experience across the continent, especially within those collaboration realms for innovation and entrepreneurship. Thank you. Thank you, Sheila. And I think this is, again, a perfect connection point to Nomso, who is wearing the different hats of entrepreneur, presidential advisor, and also capacity builder for the next generation. Nomso, please tell us more about your work. Thank you so much, Victoria, and also thank you to the fellow panelists. Such a privilege to be in this panel, in this platform. So if I can just start it off, obviously started off as a nuclear scientist with interest on energy, alternative sources of energy, and the focus for Africa not to really look into fossil fuels for our energy needs, but to look at alternatives. I mean, the continent is well endowed with minerals that can give us such privileges. But in all of that, I then moved into broadband infrastructure because working in mines where, you know, uranium is extracted and then building that connection, I realized that there is a great need for connectivity. I think the minister that was here said something very profound. But in all of that, I then stepped into broadband entrepreneurship to build broadband infrastructure solutions. And this is to connect the unconnected. There is often a community, the rural community, that is neglected sometimes. And these are places where, you know, there are no economic viabilities. But, you know, once you give people that infrastructure and build an ecosystem to industrialize their areas, then you have given them a ticket to succeed. So with that,
all that, you know, exposure and also building ecosystems gave me a privilege now to sit in the 4IR, Fourth Industrial Revolution Commission, with our current president, Cyril Ramaphosa, where we give advisory regarding, you know, this industrial revolution that is in motion, that is emerging, all these technologies that have been in isolation, and now they are improving how business works, how we develop as humans. And also part of my work, I co-chair another forum called the Alliance for AI in Africa. So now this is a group of professionals that have an artificial intelligence proficiency, and we are building solutions to really integrate our communities to our government and all the private sector. But in all of that, my passion also lies in the startup ecosystem. As I sit as a deputy chairperson for the Small Business Development Agency in South Africa. So this is where we really pull from the grassroots to the biggest unicorn in the country. Thank you so much, Victoria. Thank you, Nomso. Wow. My first question to kick us off, and please do feel free to just talk to each other. Don't wait for the moderator. This moderator is more than happy if she's not needed. So ecosystems as such, they create a space and also a culture in which innovators thrive and where innovators can meet problem owners. And sometimes the problem owners are governments and countries. And I agree that for a very long time, governments were not included as stakeholders in the best way that they could be, but this is changing. And so the development of an ICT-centric innovation ecosystem is always a journey. So how would you describe where your ecosystem is at on this journey so far? What might be recent developments? How would you estimate the performance of the ecosystem when it comes to innovation, entrepreneurship, technology, and also like, which actors are there? How do they work together? How would you describe that? And let's just go backwards and start with Nomso again. Awesome. I'll be happy to really start off, Victoria. If we look at the continent, so South Africa is a privilege of sitting between the Atlantic and the Indian Ocean. And then this gives us the opportunity to have undersea cables, international traffic, landing from both the east and the west. So this has build up a broadband infrastructure ecosystem in which this is where I've seen that big OTTs, over the top technological companies such as Google, Facebook, have interest in Africa, and they have a gateway into getting into Africa, building you know, the full broadband infrastructure ecosystem. So this has really overspilled in a lot of innovation in the startup world. You find that there is a rise in the fintech as well as the AI technologies that are coming up. And it's because of that whole ecosystem that has been built. And the key players that are playing a role right now, it's obviously these international private companies, and government is beginning to open up policies to ensure that, you know, there is a nurturing effect of these OTTs. And also there is an opportunity now for African countries to get, you know, the privilege of being part of this. So it's the big players obviously are the infrastructure owners, and they are private, and, you know, they have the funds, but also government is coming in as a collaborative partner to say we are enabling this policy, and this policy will ensure that the ecosystem grows. Thank you. Eric, maybe you have something to add there in terms of infrastructure development and how the government plays a role in your country. Oui, évidemment, j'ai quelque chose à ajouter, mais avant tout, je voudrais quand même dire quelque chose concernant les startups, parce que vous saviez que ce qui nous retarde, ce qui nous bloque un peu dans le cadre de l'innovation, c'est la manière dont les startups sont aussi organisées et la manière dont les écosystèmes sont organisés dans chaque pays.
Oui, prenons par exemple le cas du, s'il faut parler du cas du Congo-Brazzaville, lorsqu'on a organisé notre atelier sur l'innovation, nous nous sommes rendus compte qu'évidemment, les startups évoluaient un peu en silo. Et donc, cet atelier avait permis de mettre en place toutes les parties prenantes. Donc, on avait autour de cet atelier, on avait le secteur privé, on avait le secteur public. Nous avons le technical community, on avait tout le monde autour de cette table et on a eu cette opportunité de bien se parler et de comprendre quels étaient les points bloquants. Nous avons eu cette opportunité également de savoir comment est-ce qu'il fallait collaborer le secteur privé, le secteur public et les jeunes innovateurs, ni partie du secteur public, ni du secteur public. Comment faire en sorte qu'ils fassent partie de cet écosystème-là? Donc, il est ressorti beaucoup d'éléments qui aujourd'hui nous a poussé à mettre en place le projet de loi sur les startups. Parce que s'il n'y a pas un cadre juridique réglementaire aussi qui accompagne ces startups, croyez-moi que ça peut aussi être un frein pour le développement de l'innovation dans les pays africains. C'est pour ça que j'encourage ici les pays africains, ceux qui n'ont pas peut-être emboîté encore le pas en termes de développement des lois sur les startups. Je ne sais pas comment ça va être appelé dans d'autres pays, mais chez nous, nous appelons ça projet de loi sur les startups, puisque c'est encore un projet. Alors, je venais de dire dans le jeu également que lorsqu'il n'y a pas des infrastructures de base, les infrastructures de croissance, c'est aussi un frein pour l'innovation. Quand je parle d'infrastructures de croissance, je parle des infrastructures de télécommunications. Et le grand problème que nous connaissons en Afrique, c'est l'énergie. Si nous n'avons pas une stabilité de l'énergie, évidemment, c'est aussi un frein pour le développement de nos écosystèmes. C'est ici une façon de dire que, proche des gouvernements, nous devons tout faire. Si nous voulons aider les écosystèmes à se développer, nous voulons booster l'innovation dans nos pays. Nous avons intérêt à stabiliser l'énergie dans nos pays. Nous avons intérêt à faire participer tout le monde dans l'éclosion du numérique dans nos pays. Et cela en mettant en place un cadre réglementaire assez clair. Nous avons également besoin d'infrastructures numériques, surtout les infrastructures numériques en place. Nous avons besoin de baisser le coût des terminaux électroniques qui rentrent dans le pays. Regardez, essayez d'imaginer dans certains pays d'Afrique. L'accès même à un téléphone portable est encore très difficile. C'est encore un luxe. L'accès à un laptop est encore très difficile. C'est pour ça qu'il faut regarder au niveau de la loi qui régit les startups, comment peut-être exonérer ces éléments-là, comment baisser la taxe de façon à ce que tous ces éléments qui contribuent dans le cadre de l'explosion du numérique ou donc qui rentrent dans le cadre du développement des écosystèmes d'innovation, accessible à tout le monde, pour donner l'opportunité à chacun de toucher du doigt et de développer. Il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec un étudiant qui me disait, Monsieur le conseiller, moi j'ai un projet, mais je suis issu d'une famille où je n'ai pas accès à un ordinateur. Je suis obligé d'aller utiliser quelquefois l'ordinateur d'un ami pour pouvoir travailler sur mon projet. Vous voyez, ça c'est un point bloquant. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de travail qui reste encore à faire pour le développement de nos écosystèmes d'innovation en Afrique, mais surtout l'accès aux terminaux, l'accès aux devices, c'est quelque chose que nous devrons travailler sur ça pour que tous les jeunes innovateurs aient la possibilité de travailler sur leur projet. Merci. Thank you. That was very insightful, and I agree. It's pretty. There is a gap between how startups think and act, and what the startup culture is, and what the culture of bigger corporates and also of governments is. And I'm always very impressed with people who are bridging that. And I think on that note, Eva, I'd like to hand the mic to you. What are like where do you see the ecosystem? And I think you can touch upon a lot of countries in the region of Sub-Sahara Africa from your experience, and also answering to what Eric said, where do you see the region and maybe individual countries on the journey towards an ICT-centric innovation ecosystem? Je ne sais pas si la question est toujours posée à moi ou c'est posée à tout le monde.
Sorry. No, I wanted to ask Eva to answer to what you said, to relate back to what you said about how to connect startups and governments and businesses, how to create that roundtable and create that ecosystem in which different players and different actors can work together. And you talked about Congo and you said you don't really know about the other countries. So I was like, I'm pretty sure Eva might know from a few more countries. So please. Merci beaucoup, Victoria. C'est vrai que ce qu'il est important déjà de rappeler, c'est qu'en effet, quand on parle d'un écosystème, on ne parle pas uniquement que du gouvernement, donc des parties prenantes publiques et des startups. On parle de beaucoup d'autres acteurs, que ce soit les partenaires financiers, donc les investisseurs, que ce soit les académies, donc tout ce qui va être institutions de formation, mais également institutions de recherche, parce qu'on va avoir tout un prototypage qui est nécessaire pour arriver à des produits qui peuvent être développés sur nos marchés. On va parler également d'autres acteurs tels que les partenaires au développement qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans les modèles économiques de ces différents pôles d'innovation et qui vont mettre en œuvre ou accompagner les infrastructures développées pour ces différentes startups. Donc, on parle vraiment de la structuration de différentes synergies et de différentes collaborations. Je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment et répondre à la question en deux points, en commençant peut-être par les challenges. Et les challenges qu'on va noter sur plusieurs pays en Afrique francophone sont les mêmes et on se rend compte que même dans d'autres pays du continent, que ce soit en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Est, ces challenges se réitèrent. Pour toucher, bien entendu, aux infrastructures, il est vrai qu'il y a un vrai besoin d'infrastructures qui permettent déjà non seulement d'avoir accès à la connectivité, comme ça a été dit plusieurs fois, mais aussi d'avoir accès à des infrastructures de recherche-développement pour avoir de bons produits. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, en Afrique francophone, on va avoir des startups qui vont être plus orientées solutions qu'être que produit, parce qu'on n'a pas aujourd'hui des infrastructures qui leur permettent de prototyper et de réitérer le développement des innovations qu'ils mettent en œuvre. Il y a également beaucoup d'autres challenges qui vont être liés au capital humain, au renforcement de capacités, que ce soit sur des modules ou en tout cas des thèmes très spécifiques à l'aventure entrepreneuriale, mais également juste liés au développement personnel et à la capacité à pouvoir aller au contact des autres et collaborer justement avec ces autres acteurs. On va avoir d'autres niveaux de challenge par rapport aussi aux finances. On n'a pas aujourd'hui de mécanisme de financement réellement adapté pour accompagner les startups. Quand je prends le cas du Sénégal, et même si, comme l'a montré le dernier rapport de Partec, on a vu une évolution dans les investissements qui sont faits en Afrique francophone, il reste encore très timide. Pourtant, on peut noter à Dakar près d'une dizaine de fonds d'investissement, mais qui vont se tourner vers des startups anglophones parce qu'il y a un réel besoin de structuration de ces mécanismes pour mettre en place davantage de fonds d'amorçage pour pouvoir mitiger les risques en termes d'investissement. Et je terminerai par la gouvernance parce que, bien entendu, ça reste encore difficile de pouvoir formaliser son business, ça reste encore difficile d'avoir accès à certains permis, de pouvoir exporter ses produits, de pouvoir protéger ses innovations ou tout simplement, on sait combien les taxes peuvent être lourdes. Donc, je le résumerai en trois points. Le renforcement de capacités, les mécanismes de financement et le cadre réglementaire. L'autre vision, c'est qu'on a quand même un écosystème d'abord qui est jeune. Quand on prend la moyenne sur le continent, aujourd'hui, elle est de 21 ans. Au Sénégal, près de 60% de cette population a moins de 21 ans. Au Niger, la moyenne d'âge est de 15 ans. Donc, on a quand même une jeunesse aujourd'hui qui est consciente de ces challenges, qui est audacieuse, qui a envie de se saisir de ces innovations, mais surtout qui est connectée. Et je pense que le fait qu'il soit connecté et le taux de pénétration du mobile au Sénégal, il est de plus de 117%, montre qu'on peut se servir du mobile aujourd'hui pour apporter un changement, que ce soit directement pour les innovateurs, mais également pour les usagers de ces innovations. Et ça passe par différentes choses. Ça passe d'abord par le narratif qu'on va apporter autour. Et les startups, les écosystèmes entrepreneuriaux ont permis de renforcer le nouveau narratif africain, ont permis de raconter les belles histoires, ont permis également de montrer des modèles à succès
des modèles également qui n'ont pas marché pour pouvoir mitiger ces risques, mais également créer des communautés qui soient assez fortes pour s'emparer les challenges du continent, que ce soit à des niveaux nationaux, régionaux ou plus global. L'autre point, c'est qu'on a également, quand on s'intéresse à ces innovations, on se rend compte que l'innovation est pensée comme un outil qui va permettre d'améliorer plusieurs secteurs, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit l'élevage, la culture, que ce soit l'agriculture. On a aujourd'hui des innovateurs qui s'intéressent à tous ces secteurs et qui peuvent vraiment changer les conditions de vie des populations et donc de la majorité sur le continent. Et ça, je pense que c'est un point très positif dont le dynamisme aujourd'hui est réel. On a également des pôles d'innovation qui se créent partout, tout le temps. Quand je prends le cas du Sénégal, en 2011, on comptait un espace d'innovation en Afrique francophone. C'était d'ailleurs le premier, CITIC Dakar, et un coworking qui était Joko Labs. En faisant cette même cartographie au début de cette année, on se rend compte au Sénégal qu'on a 44 pôles d'innovation. Donc, ça montre qu'il y a plusieurs efforts en termes de support des entreprises, qu'il y a plusieurs aujourd'hui capacités à pouvoir créer des communautés qui vont travailler ensemble, qui vont développer des nouvelles choses. Et que ce soit à Dakar, que ce soit au Togo, que ce soit au Kenya, il y a des pôles d'innovation qui se créent tous les jours et qui vont aborder des questions spécifiques, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de marketing ou de promotion, que ce soit en termes de compréhension de marché, mais aussi sur des modèles innovants. Et ça m'amène aussi à un autre point fabuleux pour moi et très positif, c'est tous ces grands groupes dont tu parlais tout à l'heure qui ont eu envie aujourd'hui de pouvoir créer de la valeur avec ces jeunes startups. Et on a vu que ce soit Orange, Total, L'Oréal, Elle, il y en a vraiment une grande foulée sur le continent, et même des entreprises bien plus grandes, telles que les GAFA, Google, Facebook, qui ont eu envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, à la rencontre de ces pôles d'innovation, et voir comment est-ce qu'ils pouvaient créer et co-créer donc une valeur commune en leur apportant le renforcement de capacités et en même temps en faisant en sorte que les produits qui sont développés puissent être vraiment largement partagés et avoir un cadre d'accompagnement. Et je terminerai donc par le troisième point qui est vraiment celui lié au cadre réglementaire qui, en mon sens, a été vraiment accepté. Sorry if I would like to interrupt at this point, also because regulations are probably coming up as well, but I saw Sheila nodding and I would really like to give her a chance to add to what you said about young people, about capacity building, about how to change the narrative of African startups as a whole. Sheila, please. Thank you. Thank you, Vicky. I think, first of all, I'd go back to the infrastructure question and where we are at, for instance, with Kenya. I think one thing that we sometimes underplay is the importance of users understanding technology. And that's something that I think in Kenya, because of government investing in fiber optics and accessibility to internet being there, a lot of people are very aware about technology and different technological products. Number two, I think financial inclusion is one thing that we really, 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 really require in this continent. And the fact that we had mobile money earlier on in this country ensured that a lot of the people who were setting up businesses, a lot of people who were not banked before got into the quote unquote digital economy earlier on. And so now with the startup setting up here, you see a lot of people investing in startups in Kenya because the penetration of products and use of technology products specifically from startups is a lot easier here because you don't have to invest a lot of money in user training than you would in most ecosystems. I think something else that the government did that is quite commendable is all of us have to file our tax online. This is something that the National Revenue Collector, Kenya Revenue Authority, have put in place. And so everybody who is of age has to file tax online.
They can go to centers that the government has set called Huduma centers across the country, and they can do that there. So interactions with technology or different technological products for users is very important. And that's why also, it's also quite important to bring entrepreneurs and young people who are getting into this digital economy to awareness about some of these things. We already have a Data Protection Act, for instance, in Kenya. It shows how deliberate I think the government is in ensuring that the citizens are protected, businesses are informed, but also I think there's adoption of technological product, which is quite important. Now to the question about young people and I think making sure that they leverage these opportunities. I think what we've seen, and we will see a lot more in this continent, is now we are starting to see a lot more companies getting acquired, for instance. And we know the Ubuntu spirit in our continent. Once one of us wins, all of us celebrate and all of us want to be part of that. And so we will see a lot more young people getting into this innovation and entrepreneurship and technology ecosystem because they've seen what it's been doing for the longest time. I think when we were growing up, all of us wanted, you know, to get jobs in offices, and because that's what we used to see. You know, you'd see your aunties, you'd see your parents, and that was the new norm. But things are changing, and those systems are, because most of these young people are online, they're getting to see such opportunities and how they can leverage them, then a lot of them will start coming up with this product, which is a really good thing. I'll touch on the continent being a very young continent. I think the average age is 17 years. So I mean, the market will definitely shift towards the continent. And I think in the next 5 years, probably Africa will be the largest market of not just technology products, but innovative products across. So it's quite pertinent that governments are aware about this, and they ensure that they, you know, all of us are talking about the fourth industrial revolution. How can governments be deliberate in ensuring that they plug into this? In Kenya, our government has been working towards this with, you know, we have a task force on artificial intelligence and blockchain. There are a number of structures that government has to put in place, but they have to involve the different stakeholders within those sectors to be able to do that. Yeah. And we have actually questions from the audience that touch upon exactly that point. So people are asking, like, how exactly do I get in touch with the people from government that want to engage? How do I engage them? And also, what are the provisions in the startup builds? And I don't know who of you wants to touch upon this. How do I engage with the people in government? Looking at Nomso, looking at Eric, you are government, so, or kind of government. So maybe one of you wants to answer here. Je vais répondre à cette question, mais je voudrais faire aussi au même moment un complément pour parler d'infrastructure. Déjà, pour répondre à la question, nous avons organisé au niveau du Congo une consultation publique pour pouvoir mettre en place ce projet de loi sur les startups. Et vous savez que ce n'est pas facile d'avoir tout le monde, mais nous nous sommes arrangés à ce que toutes les parties prenantes, quand je parle de toutes les parties prenantes, évidemment, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le numérique, même d'autres secteurs. Hein, nous avons même fait participer les sourds muets, ceux qui ont des problèmes d'handicap et tout, qui fassent faire partie de cet écosystème-là. Donc, nous avons organisé une consultation publique. C'est à l'issue de cette consultation publique qu'on a pu évidemment élaborer ce projet de loi sur les startups. Donc, pour répondre justement à votre question, comment nous y sommes arrivés, c'est ça la réponse. Alors, deuxièmement, je voudrais ici apporter une précision concernant les infrastructures. Parce que dans beaucoup de pays, nos gouvernements ont mis en place des infrastructures, notamment, généralement, l'infrastructure le plus populaire aujourd'hui, c'est les réseaux fibre optique qui sont en train d'être déployés dans tous les pays. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que ces infrastructures doivent être des infrastructures dynamiques et qui doivent être adaptées avec les besoins en termes d'innovation. Donc, ceci dit,
Nous avons besoin des infrastructures de connectivité, donc c'est tout ce que nous appelons infrastructures fibre optique, des réseaux métropolitains. Mais à côté de cela, nous avons besoin d'autres infrastructures qui doivent accompagner l'innovation. Donc notamment, nous devons avoir des data centers avec des serveurs ou des jeunes qui ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à un serveur quelque part, mais qu'il ait des serveurs dédiés à ces jeunes-là pour pouvoir être en mesure de développer directement. Donc ça, c'est ce que je voulais apporter comme précision en termes d'infrastructure, parce que c'est des éléments qui manquent dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont construit des data centers, qui ont construit des infrastructures large bande, tout est là, mais dans ces infrastructures, ils n'ont pas mis des infrastructures pour accompagner, évidemment, nos jeunes à développer, à innover. Donc voilà une précision que je voulais apporter en termes d'infrastructure. Merci. Victoria, before you say anything, let me just come in there. And I think Dr. Eric mentioned quite prominent and very good points. And it's quite prudent that technology is used as a tool, as a good tool for harnessing and enhancing innovation. We've seen how COVID has accelerated digital transformation, and this has happened across the globe. And one of the early adopters, it's the youth. So the availability of infrastructure to be given to the youth, it's precisely, you know, one of those cut-crossing ideas that can bring inclusion between public and private and society and targeting the youth. And just on the infrastructure side, you know, Africa has a lot of landlocked countries where fiber cannot work, for example, and you know, and the usage of radio frequency wireless cannot work. But this is where now we need to have an inclusion of satellite, geocentric satellites, so that we are able to beam, you know, connectivity in areas where there's no connectivity. SADC currently is sitting with 63% underdeveloped areas, and those areas are rural, and those areas still have people that stay with them. And the most dominant, you know, species, it's women. And this is where we need to empower, to Eva's point, you need to empower people with technology so that they start to innovate where they are. They don't have to move to big cities. And this is where the work Eva is doing comes in at a very prominent stage to really ensure that there is that triggering of innovation using policy and inclusion of society. Thanks, Vicky. Thank you. And I like this. We have 8 minutes left on this panel. And I love how Nomso framed us towards, like, away from the challenges. We're super aware of the challenges. I have four panelists here who are working tirelessly on bridging those gaps and removing the challenges and tackling that. What are successes that you see? What are things that you would like to highlight where you would say, this is what the other ecosystems can learn and this is where we have succeeded? And I'm handing it over to you as Nomso started, like giving it to you. So back to you, please. Alors, est-ce que la question m'était adressée? Désolée, Victoria. The question is, what are things that you would like to highlight, the successes, the things that are good, the things where you would say, hey, look at this and learn from it and apply it in your country? And as practical as possible, because we're getting these questions that say, tell me what to do. So please. Non, tout à fait. Alors, la première chose, c'est déjà les associations de pôles d'innovation, parce que ça permet de pouvoir plus facilement échanger avec le gouvernement et plus facilement structurer l'écosystème. On a vu ces associations naître au Soudan, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, donc dans plusieurs pays, ils ont compris qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se structurent déjà entre eux. La deuxième chose, c'est des processus inclusifs de consultation qui vont aller à la rencontre des innovateurs, de la société civile, de d'autres parties prenantes du gouvernement pour créer vraiment un cadre transversal de co-création. On a vu ça en RDC dernièrement dans le cadre du Startup Act, au Sénégal aussi, mais aussi au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin.
Donc, vraiment créer des cadres de co-création forts avec plusieurs parties prenantes publiques et privées. Je vais juste mettre l'emphase très rapidement sur les parties prenantes publiques parce qu'on s'est rendu compte dans ce travail que parfois les ministères travaillent également en silo. Et ces processus ont permis d'avoir un cadre et de créer des comités assez forts où on va avoir des agences étatiques, les ministères de l'économie numérique, le ministère des finances, les directions générales des douanes ou des taxes. Donc, créer aussi un cadre de co-création dans le gouvernement et à travers les parties prenantes elles-mêmes. Et je terminerai juste pour en partageant un point sur les startups. C'est en mettant les pôles d'innovation et en les connectant avec des réseaux forts comme peut être le nôtre ou comme des réseaux tels que AfriLabs, on permet aux startups de pouvoir aller vers des marchés plus grands. Car il faut rappeler qu'on prend le cas de l'Afrique francophone, nos pays sont des micro-marchés et il faut pouvoir s'étendre sur d'autres pays pour grandir. Donc, ça permet de répondre assez facilement des produits sur d'autres zones et de créer des partenariats entre les startups elles-mêmes. J'espère que j'ai pas été trop longue. Thank you. No, don't worry. Thank you very much. But I want to be also mindful of the young entrepreneurs that are coming after us in the session. So, Eva, let's stay with you. Please be the first one to give us a tweetable summary of this, maybe even an action point that you take out of this panel. 1 minute. I think from my side, Vicky, Africa number one, we must be in the forefront of building our own infrastructure, connectivity infrastructure. Secondly, we must propel innovation from the grassroots, and we must share and share information so that when we begin to implement the African trade policy, then it's easy for us to work in that unison. Thanks. Wonderful, Nomso. Thank you. Who's next? I can go next. So I think for me, I think the first thing that needs to happen, and also this goes into what you can do. Number one, I think governments need to create locally tailored regulatory frameworks. I think it's good to copy other people, but I think the locals understand best what they need. So it has to be inclusive processes for regulatory frameworks. Number two, I think stakeholders within the development and corporate world need to collaborate more so that there's no duplication of effort, so that that resource that they use in current duplication can go into supporting other things. Number three, this continent is of young people. They have to be at the central of this thing. While we understand we need the wisdom of the older generation, but we can also use the strength and power and energy that the young people have to be able to grow, I think, a lot of these things that we do in the continent. So make sure in everything that you do, involve the young people. Thank you. Thank you. Hello. Eva, do you want to go next? Tout à fait. Ma phrase pour Twitter, ce serait vraiment que le futur doit être co-créé maintenant avec vraiment la jeunesse et les gouvernements africains. Donc, recréer ce lien fort. Je pense que pendant longtemps, la jeunesse ne s'est pas sentie proche de son gouvernement, en tout cas sur le continent. Ils ne se sont pas compris. Donc, c'est le bon moment pour recréer ce lien. Donc, co-créons le futur entre la jeunesse et nos gouvernants. Thank you very much. And the last tweet moment goes to Eric, please. Bien, mon dernier tweet, ce que je voudrais dire ici pour clore, mon propos, c'est j'inviterai les gouvernements dans le cadre de l'innovation à mettre en place des infrastructures dynamiques, je dis bien dynamiques, de mettre en place des infrastructures dynamiques et de mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour véritablement accompagner les startups et surtout développer la coopération entre le gouvernement et toutes les parties prenantes de notre écosystème d'innovation. Wonderful last words from all of you, and I thank you very, very much for your participation in this panel and for your very wise and very kind words. I think all of you are
building the future, and that is why the future will be good and it will be beautiful, and we will create something together, and we will co-create and collaborate and get this done. And I am very blessed and very honored to have you all had on this panel. And thank you very much. I hope you will stay in touch. I hope also we answered all the questions from the audience. If not, please feel free to connect with all the panelists. This is what the swap card is for. And thank you to the audience.